Bonjour à toutes et à tous, ici Arnaud, et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto dans lequel je vais vous expliquer comment nettoyer son Mac et l'entretenir. Et oui, comme vous le savez, un MacBook c'est avant tout un ordinateur composé d'un disque dur, d'une carte mère, d'une mémoire vive, etc. Et aussi de fichiers inutiles qui s'accumulent au fil du temps et de plus en plus, ce qui va contribuer à faire ramer votre ordinateur et réduire ses capacités. Donc pour nettoyer votre MacBook Pro, il existe plusieurs applications. Moi j'en ai retenu une en particulier qui s'appelle Clean My Mac. Donc c'est celle-ci. Pour la télécharger, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous l'achetez sur l'Apple Store, soit vous la téléchargez. Pour la télécharger, je vous invite à visionner une de mes précédentes vidéos sur comment télécharger une application sur Internet et l'installer. Donc une fois que vous vous êtes procuré Clean My Mac, vous la lancez. Alors moi j'ai choisi cette application car c'est une application très très simple et assez belle visuellement, plutôt je dirais graphiquement. Il n'y a pas beaucoup de fonctions, c'est pour ça qu'on s'y retrouve facilement et elle est accessible aux plus débutants d'entre vous. Alors en fait Clean My Mac s'occupe de nettoyer tous ces composants qui s'affichent à gauche. Alors pour savoir de quoi il s'agit, je vous invite à cliquer sur le petit i qui se trouve en bas à droite qui vous affiche les informations des fichiers que Clean My Mac s'occupe. Voilà, vous avez de la lecture, hein, ça ne vous fera pas de mal. Voilà, une fois que vous êtes sûr de vouloir bien nettoyer votre Mac, etc., que vous avez compris en quoi ça consiste, il n'y a rien de plus simple à faire, vous cliquez sur « Analyser ». Donc là, ça peut prendre pas mal de temps quand votre Mac n'a pas été analysé et nettoyé depuis longtemps. Moi, je profite de ce petit moment d'attente pour vous expliquer que prochainement, je ferai une nouvelle vidéo sur comment entretenir son Mac. Mais cette fois-ci, je vous parlerai de l'application Onyx, qui est une application un petit peu plus poussée de Clean My Mac et qui vous permettra d'accélérer considérablement votre MacBook en supprimant d'autres fichiers inutiles. Donc là, on va attendre que Clean My Mac finisse son analyse. Et voilà, l'analyse est terminée et vous pouvez enfin nettoyer votre Mac. Donc là, vous cliquez sur nettoyer. Donc là, il me demande de fermer Safari, donc je quitte Safari, tout simplement, et le nettoyage se lance. Et à la fin, il vous explique combien d'espace est récupéré. Donc là, par exemple, je vais récupérer plus de 4 gigas. Et voilà, mon nettoyage est terminé, mon Mac est propre et sain, comme le dit le slogan, et j'ai récupéré 4,1 giga depuis que j'ai installé Clean My Mac. Donc 4,1 giga octets, sachant que ça fait même pas plus d'un mois que j'ai mon MacBook, je trouve que ça fait plutôt pas mal. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poster des commentaires, cliquez sur j'aime et vous abonner à ma chaîne. Comme je vous l'ai déjà dit, bientôt sortira une nouvelle vidéo sur comment entretenir son Mac, partie 2. Voilà, allez, ciao ciao tout le monde!